Non, parce qu'il y a aussi un truc par rapport au poker que les gens ne comprennent pas. C'est que certes, ok, on galère comme des cons pendant 15 heures par jour. Certes, on n'a pas de taf, on n'a aucune situation, parce que finalement, on n'a aucune sécurité sociale, on a walou, on n'a rien. Ouais. Mais, c'est une espèce d'école de la vie de ouf. Non, mais complètement. Mais ça, complètement. Mais le truc, c'est que, oui. C'est un truc de ouf. On aura visité, pas les quatre coins du monde, mais presque. Ouais, on aura connu des galères de l'espace. C'est clair. On aura vécu en espace. Même si le poker ça dure que 3, 4, 5 ans en tant que pro. Durant 3, 4, 5 ans, on aura vécu plus que nos parents et ainsi de suite. Quoi. Et ça te forge, tu vois. Genre, moi je trouve que ça rend plus logique. Ça te rend plus logique. Et même en termes de. T'as tellement l'habitude de tout le temps essayer de savoir quelle probabilité t'as de chance de gagner. Que du coup, dans la vie de tous les jours, tu sais quelle probabilité t'as qu'il t'arrive telle ou telle chose en fait. Le poker, je l'assimile assez à comment fonctionne la vie. Toi. Ouais. T'as des coups de chance, des coups de pas de chance. Si tu comprends comment fonctionne le monde, certes, t'as un peu plus de chances de réussir, mais au final, si la vie veut t'enculer, elle va t'enculer quoi. Ouais. Et dans le poker, c'est exactement pareil au final. Et du coup, à taper 15 heures par jour de ça, à subir des bons coups, des mauvais coups, des up and down, c'est comme dans la vie au final quoi. Complètement. Mais apprendre de jour en main que ta nana trompe quoi, c'est comme de faire craquer deux as quoi. C'est un truc que tu attends pas quoi. Complètement. Mais du coup, final, faut savoir être une machine et puis accepter quoi. Complètement. Main event hein. Petit 6 mix des familles. C'est chaud. Ouais, petit 550 main event. C'est chaud. On est bien motivé, on a dormi 4 heures mais ça va le faire. J'avoue que là, 4 ou 5 heures de sommeil. De toute façon, les débuts de tournoi, c'est toujours la sieste. Ouais, c'est la sieste. C'est cool. Ça sera intéressant à partir du 4e, 5e level, là, en fin d'après-midi. Quand on commencera à s'endormir, vraiment. Quoi. Entre le Marocain qui en fout partout et le qualifié serré. Voilà. Tu préfères qui? Moi, j'aime bien jouer plein de coups, moi. Je préfère le serré. Ça, tu sais, quand il 3 bêtes, tu folles. Et tu peux le violer 10 fois, la 11ème fois il se rebête, tu fais hop. Ouais, mais le Marocain fou. Ah, ben le Marocain fou, il peut se KO. En value, il 4 bêtes en bleu, tu vois, c'est magnifique. Il me chope par 2-4, quoi. C'est ça. Il y a 5 mois, tu le ressens encore ouais, parce que tu l'as encore là. Il y a 5 mois, il t'a. Ouais. J'ai mis un petit 40-60 il y a 5 mois, ça restera à vie ici. Je lui ai demandé tout à l'heure, il m'a dit non, j'aurais pas payé, mais. Ah, t'attends, je sais pas si je peux le croire. Je sais pas si je peux le croire. Attends, il a pas la gifle. Il me fait, mais tu viens de dire que t'as spio et tout. Et il colle. Full, il me fait. Bon, ça gagne. T'es à 40 quand même? Ouais, là, je suis descendu à 13, après ouais. J'ai joué comme un âne, je suis remonté à 25. Le gars serré m'a livré. Après. Bah, j'arrêtais pas 3 bêtes, 4 bêtes, 3 bêtes, 4 bêtes. Ouais. Après, à un moment, il a tapé 20 000 quand j'avais 2 rois. Là, il y a l'uno à ma table. Ça va, posé. Donc, il grind en même temps la tablette de la 10-20 ou quoi? Non. Et voilà, sinon des petits coups, ouais, ça monte, ça descend. À un moment, j'étais à 60K, je suis redescendu à 40. Ah, c'est normal.
Bravo. C'est pour les 272 900. Mais alors mec, non mais mec, c'est 3 fois la moyenne. Hein. Ouais bon. La moyenne elle est à 94 000, c'est 3 fois la moyenne. À 10 ou 15 000 près. C'est énorme. Moi je trouve qu'il est bon, mais en plus de ça, c'est vrai que rajouter à sa compétence de joueur de poker, il a le facteur chance dans les bons moments, dans les bons tournants, genre un pot énorme, il va gagner 2 rois contre 2 10, alors que voilà, si t'es noireau et que t'as beau être un top shark, si il vient un 10, tu l'as dans les fesses, tu vois. Ça c'est le passage pour le fisc. Mais du coup, ça veut dire que s'il y a des gens qui sont... Vu que le poker, la base mathématique est basée sur l'infini, que donc le calcul de chance lui-même est basé sur l'infini, tu peux être malchanceux toute ta vie. Ça veut dire que c'est mathématiquement probable. Bien sûr que mathématiquement, ça veut dire à chaque fois que tu joues un gros coup, si en fait dans ta carrière de poker, t'as 40 coups où t'es en flip par exemple, pour en niveau ICM, une partie énorme, ouais. Et ben en fait tu peux perdre ces 40 coups-là, perdre 40 flips de suite, c'est possible. Tu peux pas perdre 40 flips de suite. Mais bien sûr que c'est basé sur une non. Parce que tu vas gagner et qui va vers la c'est probable. Ouais, mais c'est probable. Parce que c'est ce flip là qui va être important et tu le perds. Et ce flip là aussi. Non. Et entre temps, tu vas en avoir gagné 10 en cash. Tu connais la probabilité de perdre 40 flips d'affilée? Non, c'est pas 40 flips d'affilée. C'est. Ah. Ce flip là, il est important et tu le perds. Ce flip là, il est important et tu le perds. Et entre temps, qu'on a gagné 10. Non mais. Je veux dire par là, tu sais pas, tu vois. Et toi, t'es chaud pour jouer en Jalaba? On s'imprègne des lieux. D'accord. Puis peut-être le croupier sera plus gentil. Oh, mais non, meilleure carte, mon ami. Ah, j'avoue. 250 ? Ouais. Elf au meilleur comme c'est. Ah, mais c'est dur, putain. Elf n'y a rien de sim. Écris 1000. Ouais, c'est la gare. Ah, ouais, mais ça serait trop beau. Tu joues, puis tu es. Et relancer. Relancer. Tapis. Tout dedans. C'est bien. Ah oui, c'est ça, c'est bien. Ah, ça fait le choix. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ah oui, ça. Voilà. Moi, je me sais, elle est belle, celle-là. Moi, j'aime bien. Hein. Au lieu de. Oula, j'aime pas quand ça commence comme ça. Tu veux marchander trop alors. Ah, moi, j'ai plus rien. On part demain, j'ai plus rien. Lui, c'est vrai. Pour les deux ou pour les trois? Pour l'instant, c'est pour la mienne. Moi, je paye la mienne. Une, c'est combien? J'ai peur. Combien? Au lieu de 450. Et si on faisait 150 au lieu de 350? Combien? 120. Je vais te proposer un bon prix. Oui. Mais après, on renégocie pas. Attends, mais il y a un truc qu'il faut savoir. Regarde, c'est 351, on en achète 3. Ça fait 750 en tout. Mais 250, c'est pour ça. Tu nous l'as fait à 250 chacune, donc 750. Et on les prend. 250 chacune, mais on en prend 3. Un bon négociateur. Parce qu'on en prend 300 euros les 3. Mais pas besoin de renégocier. 300 euros. Même chez nous, ça. C'est bon ? Voilà. Merci. Moi, c'est serré. Ça, voilà. Je le vois des prix là. Les gars ? C'est les bras. Non, mais vas-y, il prend pas les jetons de caisse. Il prend les euros. T'as avancé de l'argent ? Ouais. Filme. Besoin d'argent ? Oui. Tu veux qu'on t'avance de l'argent ? Alors attends, 80, 130 sur le tournoi. Il me faut 120. On prend combien de pourcentage sur le tournoi? Besoin d'argent. 2% sur le tournoi. Ouais, voilà, c'est parti. Allez, il me faut 120. C'est bon. Tiens. Bim. Là, c'est 100, merci beaucoup. Je te les rends tout à l'heure. Merci. Marhaba. Et là, par contre, c'est gratuit. Hein. Merci. Merci. Non, lui, il veut rester comme ça, c'est le caméraman. Il reste comme ça. Il en a déjà 10. Un pour lui. Vous allez au Bounty ? C'est ça, 100% Bounty. Moi je pense que je vais rester à la piscine. Ouais, bah Hugues, tu sais comment il a buzz du coup du main ? Bah non, dis-moi. Et bah Hugues, il avait monté des jetons. Et il me dit, ah putain, par contre j'ai trouvé un spot trop obvious. Ouais. Je fais genre obvious de comment ? Il me dit, ah, un spot de 6 bet light. Ouais. Ah, je dis ouais, mais ça existe pas normalement. Il n'y a que lui quand il trouve des passes de 6 bet light. Et du coup, il avait quoi, tu sais, quoi. Et il avait un as moisi et l'autre avait deux as, quoi. Ouais. Donc 0%.
Il a chauve en fait. Ah, il a chauve, ouais. Il a tout. Ouais, bah, il aime bien ça quand même. Bien. Le festival se passe très bien pour l'instant, très bonne ambiance et tout. Sauf que niveau poker, ça se passe un peu moins bien. J'ai déjà fait 5 entrées. Il reste la 6ème entrée, la dernière chance. Donc cette fois, je vais un peu me concentrer parce que c'est un peu chiant de ne pas pouvoir profiter de la journée, de la piscine, de l'ambiance. Donc on va tout donner pour la dernière entrée. Normalement, bon, on dit c'est des chars, bon. Donc pourquoi essayer d'aller se battre contre un requin plus gros que soi, en fait? C'est ridicule. Donc le requin qui est plus gros, tu le laisses passer. S'il te menace, s'il est plus gros, il est plus gros, donc tu le laisses passer. Et t'attends que ce soit les fiches qui viennent à toi et eux tu les manges. En gros, c'est ça. Là, je suis venu me relaxer à la pool party. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, la fête, la piscine, le soleil, voilà. Donc normalement, demain, je vais vraiment jouer normalement mon meilleur jeu. En fait, on s'est rencontrés à Deauville. C'était à Deauville que c'était rencontré. Ouais, juste avant que tu fasses la maison du blé. Sur le PT. Ouais. Non, avant ça. On se connaissait déjà. Ouais. Mais on s'est pas réellement beaucoup joué, quoi, par contre. Ouais, non. Enfin, non, on a fait souvent les mêmes tournois, mais on est rarement à la même table. C'est ça. Mais je me souviens qu'une fois, on était à la même table à Deauville. Ouais. Mais sinon, non, c'est pas beaucoup joué. Vraiment, m'asseoir à table, c'est dans ce métier, c'est un kiff, quoi. Ouais, totalement. C'est mon métier, j'ai la chance que ce soit mon métier, mais... Ouais. Mais voilà, quoi, c'est le paradis quand je m'assois à une table. Après, ça le devient plus ou moins, selon la suite de l'aventure. Clair, mais... Et c'est vrai que... faut se faire une place, mais je me suis jamais senti mal. Ouais. Tu vois. Je me suis toujours dit, je vais jouer mon jeu. J'ai commencé personne. Comme tout le monde, hein, en étant une fichette, en voulant. Je suis encore la fichette de beaucoup de monde aujourd'hui. Enfin, on est tous le fiche de quelqu'un. Exactement. Hein, tu vois, exactement. Après, l'avantage d'être une femme, ouais. Le plus gros avantage d'être une femme au poker que j'ai eu dans ma carrière, ouais. C'est que ça m'a permis d'intégrer le team Winamax. Ouais, du coup, oui. Parce qu'ils cherchaient un nouveau garçon, une nouvelle fille. Pour agrandir un peu le team. La concurrence est plus forte. La concurrence est moins forte. Et à niveau égo, s'ils cherchaient un homme, j'aurais pas été prise, c'est sûr, c'est évident. Donc forcément, là, je vais te répondre qu'effectivement, le plus gros avantage d'être une femme dans le poker, c'est. En tout cas, peut-être qu'une femme qui réussit, elle se fait plus remarquer qu'un mec qui réussit, peut-être. Puisqu'il n'y a pas beaucoup. C'est vrai, puisque déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le poker, t'as 10%, je dirais. 10-15. Je sais pas trop. Je sais pas. Ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment une destination où t'es en vacances. C'est rare sur les autres destinations. Complètement. Dès que t'as bust, tu peux facilement oublier le fait que t'es bust en allant à la piscine. Les piscines, il y en a souvent dans les hôtels, mais. Là, tout le monde va à la même boîte. C'est ça, il y a tout le temps des soirées, il y a tout le temps des jeux, il y a des beer pong, il y a. Ouais. Winamax, ils font tout pour que les gens vraiment s'amusent. C'est clair. Et c'est vrai que il n'y a aucun autre event, mis à part Dublin, mais c'est un événement Winamax encore une fois. Ouais, on est d'accord. Où là, c'est vraiment poker vacances, où les gens peuvent se lâcher, s'amuser, et c'est vraiment grosse colonie de vacances. Mmh. Donc, c'est un kiff, quoi. Si tu buzzes, c'est vrai que t'es déçu. Moi, il faut toujours une vingtaine de minutes pour. T'es toujours déçu. Voilà, même si l'ambiance était sympa à la table tout à l'heure, j'ai buzz du main event.
c'était cool. Bah voilà, je bosse tasse dame sur, contre As-Valet à tapis préflop où le valet vient river. Bah je te touche pour demain alors. Eh ben ouais. Je prends un peu de... Mais vas-y, hein, tiens, je te donne de la chance là. Tiens, vas-y. Moi je dis dans ton coup avec 10 et 3 suités, vous êtes level tous les deux. Les gars ils ont envoyé 4 moyennes avec flush draw. Une paire plus flush draw. Oh, moyenne à 120 que t'as vu. 500. Ah tu rigoles mais ah. Ouais. Oh, c'est normalement c'est pas autorisé ça. Non mais ah, c'est toujours mieux de t'envoyer. Ah attends. Ah c'est toujours mieux de t'envoyer en étant drawing dead. Si tu vois ce que je veux dire. Personne n'a voulu lâcher. Ah c'est toujours 27 100. Pour 27 000 à la base. Oh putain. Oh là là. Premier prix de 850 000 tirages à la gagne. Qu'avec un 7 et il avait le 7. Il avait 7-10, il a touché sa ventrale sur la rivière, donc le 9 à la rivière. Donc en fait mon bluff il serait passé sur toutes les rivières, sauf un 4 et un 9. Et là je regarde la fontaine et là je me dis putain, c'est comme si j'étais venu pour rien. Enfin je sais que je suis pas venu pour rien parce que c'est une histoire de long terme. Et c'est... J'ai l'impression d'être venu. Mais bon, demain ça sera oublié. À Vegas, c'était avec Adrien et tout, on avait gagné le Q-Fight. Ah oui, mais j'y étais. J'étais avec nous. Je pars, j'ai 3K en poche, 3K dollars pour 3 semaines. Au bout de 4 jours, il me reste genre 300 dollars. Ouais. 400 dollars. J'ai tout ce Q les 3 premiers jours. C'est pas un peu risqué d'aller à Vegas avec 3K? Ouais, c'était un peu risqué, mais j'avais un peu ce Q toute ma bankroll. 1h du mat, 2h du mat, 3h du mat, je fais ITM, 4h du mat, 5h du mat, puis we left. Et là, j'en trouve qui? La brique. Sur ma table, hein, j'entends un mec. Non, ouais, je change de table, je me pose. Et là, j'entends un mec qui dit raise avec un accent trop bizarre. J'avance. Et là, je vois, c'est la brique. Je fais, mec, qu'est-ce que tu fais là? Il était à la table, t'avais pas vu? Ouais, il fait encore en lice. Bah ouais. Du coup, on a tous les deux, genre 15 bébés. On est encore en lice tous les deux sur le vieux 215 moisi du Rio. Ouais. Et boum, on joue 15 left, 12 left, TF. On est en TF tous les deux. À 8 left, je perds As-Roi contre As-Dame, je combats 3 blindes. Yeah. Et derrière, je passe un flip, je passe un deuxième, je passe un troisième, et là, je me dis, tu sais quoi, c'est Jésus. Ouais, et je défonce la table, et finalement, on deal à 3. Je deal la première place, la brique fait deuxième, et un Finlandais, je crois, fait troisième, et je prends 25 ou 30 cash. Ouais. Fou
full BR à bankroll, de full BR à Vegas. En mode, si je paye ma $50 pour faire deux semaines, c'est la mort. Tu prends 25K avec un pote. Bonne chance à tous et puis chaque fois leur deal. 130 000, enfin je choque, j'ai tapis, il lui reste 122 000. Tu payes As-Dame ici? Je te rappelle, hein. As-10-2, Roi-Roi. Un mec qui te chauffe, tu payes là. Et tu sais quoi? Elle a As-5 de pique, mec, elle a un As. Et bah que R. Quoi? Non mais elle m'a lu, ouais, elle m'a lu. Mais justement, il y a très peu de joueurs, en tout cas c'était une joueuse, il y a très peu de joueuses qui vont réussir. En fait, t'as la même réponse en faisant genre 90K que de shove en fait, tu vois. Le fait d'overbet son tapis, vu la taille du pot, le pot il fait combien? Ça c'est vrai. Mais Madame Snake, es-tu là après, tu vois? Non mais c'est ça après, tu vois. Moi je pense que vous êtes rentrés en transe tous les deux. Non. C'était Lego là. Moi je me suis dit. Là c'était attends, Lego là. Je te jure, non mais attends. Oh, il veut pas. Lui il a voulu faire folder perdre avec ta paire. Toi tu t'es dit, ah ouais, il a les queens, je vais lui faire folder la boîte. Non, payé. Mais non mais est-ce que tu m'as vu quand on est sorti de l'or, je lui ai mis une droite. Non. En fait, moi je pensais que le mec était assez compétent pour te coller seulement avec quoi? Avec le top de sa range, ouais. C'est-à-dire des brelans, même deux as de roi dans ce coup, tu bats quoi en fait? Non mais. En fait, moi je vais shove avec. Tout ce qu'il aurait foldé là. Il aurait au pire colté 27. Tu sais que t'as un edge en général, et donc faut pas s'étonner que le mec joue mal. Tu faut pas. Non, parce qu'il y en a plein qui whine. T'as vu comme il a mal joué, le mec qui chope, perd de 200 blindes, cet abruti. Mais oui, mais c'est ça le poker. C'est pas. Le poker, il est vivant parce que les mecs sont mauvais. Donc après, il faut pas se plaindre que le mec soit mauvais. C'est déjà prévu à l'avance, tu vois. Demain, quand tu vas là, ce soir, là, si tu vas jouer en cash game. Tu sais que les mecs ils vont faire nimp, ils vont faire des erreurs. En fait, tu veux qu'ils fassent des erreurs, je vais te dire. Donc, quand avec leurs erreurs, eh ben ils t'emmènent au fond et c'est toi qui perds, faut pas se plaindre, tu vois. Un mec qui a la roulette, il a mis toutes ses économies, genre rouge-noir. Il a mis 200 000 $, je crois, ou un truc comme ça, à Vegas. Genre, il y avait plein de gens qui le regardaient et tout, il a chaté. Tu l'as vu? Genre, le mec, il a dit, c'est le plus grand kiff qu'il a eu de toute sa vie. Il a chaté. Il a fait, genre, je sais pas, c'était combien, 200 000, non? Bah, il a mis tout 200 000 euros, s'il perd, il est broke. T'es sérieux là? Non. Mais c'est sorti. Hein? Il achète et il a fait x2. Non, sérieux? Tu vois le truc? En même temps, c'est vrai que niveau adrenaline. Il t'a donné à 200 000. Genre au dernier moment. Non, mais sérieux. Au dernier moment, il a changé. Non, pas au dernier moment, il a changé. En fait, il savait déjà ce qu'il voulait faire et tout. Genre, il y avait les caméras et tout. Il y avait même sa famille derrière et tout, tu vois. Et genre, sa famille. Mais vraiment quoi, hein? Quelle énorme. Tu l'as connu sur cette collectif. J'ai vu la vidéo. Après, c'est peut-être c'est romancé et tout, tu vois, mais. Mais ça, tu vois.
Donc là, je me dis, c'est le spot parfait. Je shove. Du shove, ouais. Et tank toute sa vie et me call avec As-5. Et genre, la meuf, à la fin, elle me dit qu'elle hésitait et qu'au final, elle a eu un tel sur moi, tu vois. Et qu'elle m'a call par rapport à ce tel, parce que ça a fait pencher la balance vers le tel, vers le call. Elle a vu le tel de la hauteur 8. Ouais, voilà. Non, mais après, j'avoue, tu sais quoi, mais c'était le seul moment où j'avais pas mes lunettes. Tu sais, ça fait ça. Un tout petit peu. Mais donc, elle a peut-être vu le pouls. Ou là aussi, tu vois, j'avais ni mon pull, ni mes lunettes, c'était la merde, quoi. Mais t'as pas tenté le hauteur 8, ça gagne Je commençais bien, j'ai perdu au bout de 2 heures, donc maintenant je sais même pas comment je me sens. Je vais jouer normal et on verra. Mais malgré que j'ai un bon stack, je me dis pas que je vais forcément faire IT. Mais... Hier j'avais un bon stack, j'ai pas fait IT. Voilà. Valet 10-4. Donc j'ai top pair, gros kicker. Ça check là-bas. Moi je mets 26 000. Et là il y a la small blind qui raise à 60 000. Je fais all-in pour peut-être 140 de plus. Il paye roi dame, donc 2 over, quinte par les deux bouts. Donc il a les dames, les as et les 9 pour gagner. Et il y a un 9 à la turn. Voilà. Pourquoi cette vie? Parce que ça me plaît en fait, tout simplement. Enfin, c'est une passion. Et c'est surtout pourquoi pas cette vie déjà. Tu vois? Genre, j'avais 16 ans quand j'ai découvert le poker, j'étais en soirée. Et c'est devenu une passion tout de suite en fait. On décide pas ce qu'on aime, tu vois. Soit les choses nous plaisent, soit elles nous plaisent pas. Et depuis, mais
voilà, j'ai la passion depuis, donc ça fait 11 ans que je joue. Et... voilà, donc j'ai envie de te dire, surtout pourquoi pas cette vie finalement, tu vois. Au poker, quand on n'a pas envie de jouer, on joue pas. Un métier, t'as pas envie d'aller au travail? Bon ok, si tu veux, t'as qu'à prendre un ou deux jours de congé, mais il faudra finir par aller travailler, quoi qu'il arrive. Et des fois, on se sent pas bien pendant plusieurs semaines, en fait. Voilà. Parfois, on n'a juste pas le moral. Et on a besoin de temps dans la vie, tu vois, c'est normal, on est des êtres avec des émotions. Et parfois ça va pas, on n'a pas envie d'aller travailler, quoi. Et heureusement, au poker, on peut prendre une pause, quoi. Bon, si on n'est pas loin d'être broke, c'est chaud. Mais une fois qu'on vit bien du poker, on s'est donné les moyens de vraiment vivre et pas de survivre. Moi je parle vraiment de vivre du poker, hein, pas de survie. Ben, si on veut prendre plusieurs mois de pause, on en prend. Voilà. Ferrari, tu sais même qu'ils travaillaient pas, tu sais pas trop ce qu'ils faisaient, c'est des trucs un peu chelous, tu vois. Donc, tu faisais un chèque, je te paierai demain, oui après-demain, mais tiens, échange-moi le chèque du mec qui a perdu la veille, enfin, des trucs comme ça, tu dis, une fois sur trois, t'étais pas payé, il fallait courir après le blé. Donc, ça, c'est vrai que c'était des parties un peu plus far west, quoi. Ouais. Et il n'y avait pas, on en discutait hier justement avec la team Wina, avec Sylvain Lousley, avec Stéphane, et c'est vrai qu'à l'époque, ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait pas Internet. Ouais. Quand on recherchait les gros tournois, c'était la naissance d'Internet. Moi, quand j'ai commencé, je suis rentré à l'aviation en 95-96. Ouais. Et je me souviens avec Michel Abécassis, par exemple, on cherchait des tournois, à identifier quel tournoi on allait jouer dans le monde, tu vois. Ouais. Et on cherchait à obtenir les magazines anglais, parce qu'il n'y avait même pas de magazine en France, dans le Poker 52, Live Poker, tout ça, ça n'existait pas. Ouais. Donc on cherchait à se procurer des magazines anglais pour pouvoir obtenir le calendrier des tournois, pour pouvoir aller jouer les tournois dans le monde. Ouais. Parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de banque de données, ou savoir le calendrier, savoir où aller jouer, tu vois. Ouais. Et pas Internet. C'est beaucoup plus difficile. Les joueurs explosaient, quoi. Ouais. Pareil, pour la même raison, qu'il n'y avait pas Internet. Bah oui. Donc on avait l'accès à la connaissance, tu vois, et c'était vachement plus difficile. Il fallait jouer, en fait, ouais. C'est ça. Il fallait faire des heures, pour essayer de comprendre ce qu'on faisait de bien, ce qu'on faisait de mal, essayer d'analyser les adversaires, tu vois. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, c'est vrai que toi, tu fais du coaching, il y a plein de vidéos de coaching partout. Mmh. Tu as des bouquins, tu peux regarder les mecs jouer sur Twitch en direct. Ouais. GPL aujourd'hui, où les meilleurs joueurs du monde se battent avec les cartes ouvertes. Donc, c'est énorme. Ouais. Ça, on n'avait pas du tout accès à ça. Globalement, je pense que les changements qu'ils ont eu sont super bons. Ouais. Parce que ça a professionnalisé, pas dans le mauvais sens du terme, mais juste parce que justement, on n'a plus ces problèmes de paiement qu'on avait à l'époque. Ouais. On a des sites maintenant sur Internet où on n'a pas de problème, où on met sa carte bleue ou machin, parce qu'on sait qu'on ne va pas se faire voler, ouais. A priori. Les casinos, c'est pareil, si tu mets ton argent, on te donne des jetons, tu rends des jetons, on te donne ton argent, tu n'as plus de problème de paiement. Donc ça, c'était génial. Et je le mets un petit peu au passé, parce que pour répondre à ta question précisément, je pense qu'on vient de vivre l'âge d'or du poker. Ouais. Aujourd'hui, je conseillerais pas aux gamins, entre guillemets, ouais. Pour moi, aux gamins de 18 ans, 19, 20 ans, de commencer et d'essayer d'en faire une carrière professionnelle. Ouais. Parce que je pense que c'est hyper difficile. Mais c'est comme bien. Un mec qui est passionné par le golf. J'ai pas envie de lui dire, vas-y, bien sûr, c'est facile de gagner de l'argent en golf. T'as 1% des mecs qui vont s'en sortir et t'as 0,3% des gens qui vont vraiment gagner beaucoup d'argent. Donc c'est pas beaucoup. Mais je pense, malgré que ce soit très compliqué d'avoir un niveau pour pouvoir vivre du poker, je trouve que quand même, il y a plus en pourcentage des joueurs, il y a plus de gens qui vivent du poker. Alors que tu vois, dans le football, c'est 50 fois plus dur, tu vois.
il y a le pourcentage de joueurs de foot par rapport aux joueurs de foot au total. Franchement, il est vraiment très faible. Mais il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent aussi dans le poker. Probablement, tu vois, il y a des gens qui perdent dans le foot, il n'y en a pas. Enfin, dans le foot, tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Tu vois, par exemple, au poker, tu gagnes ou tu perds quand même. Donc, tu vois, par exemple, essayer de devenir être acteur, vivre, voilà, c'est super, c'est 50 fois plus dur que de devoir. Enfin, que de je pense qu'il faut l'envisager comme un métier normal, effectivement, mais les gens qui essaient d'être acteurs et qui partent à Hollywood, j'en ai connu à l'époque où j'étais en Cinoche, ben, ils bossent dans les cafés à côté, ils essaient de survivre jusqu'au jour où la grosse perf va arriver, comme au poker, finalement. Ouais, c'est sûr, le casting sûr. Va bien se passer, ils vont être repérés par un réal et ils vont être pris dans le film. Quoi. Ouais. Et au poker, c'est pareil, t'attends ton one shot, ton one time dans un gros tournoi. Il faut tenir. Mmh. C'est difficile de tenir. C'est sûr. C'est un jeu d'énergie quand même. Souvent, tu vois des mecs qui arrivent à table, boum, ils sont là, ils dégagent une énergie, tu sais, une espèce d'aura à table. Et ils marchent sur la table et tu comprends pas pourquoi. Ouais. Donc, c'est vrai que dans les moments où tu gagnes, tu as tendance à un peu donner ça. Ouais, et ça, c'est intéressant. Alors, le moment où tu es cagoulé, tu es un peu plus renfermé sur toi. Tu as le body language, comme ça, le langage physique. Et le mec, tu fais moins peur au mec. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est avantageux. Mais après, c'est vrai que tu as tendance à un peu jouer un peu plus loose. Relâcher. Moi je sais que je joue bien avec la pression, si j'ai moins besoin d'argent, je joue moins bien forcément. Du coup parfois t'as peut-être cru que tu perdais la passion alors que pas du tout, c'était surtout parce que t'avais... Ouais c'est un peu de relâchement, je trouve que le mot est bien employé, c'est un peu ça, un peu de relâchement. Bah écoute, la pire période, j'ai l'impression que je suis en train de la vivre en ce moment. Ah ouais? Ouais, ah. Mais au poker hein, simplement, parce que dans la vie je suis très bien, d'accord. Mais j'ai eu une petite fille il y a 2 ans, c'est une merveille, c'est fabuleux, merci. Et le manque de sommeil, les nuits très courtes, les nuits morcelées, je sais pas si c'est directement lié, mais probablement. En plus, un assez bad run, tu sais, les situations, les gros coups que tu perds tout le temps, au lieu de les gagner, un flip ou deux qui passe pas, et au lieu d'avoir fait une grosse perf ou deux, non, comme j'étais habitué à le faire depuis 5-6 ans, dans l'année, j'en ai fait 0. Donc du coup, c'est une période assez dure. Ouais. D'accord. Assez dur, mais bon, voilà, j'ai depuis 2 ans. Depuis la naissance de ma fille. Depuis 2 ans, d'accord. Ouais. Je savais pas que... Ça fait 2 ans. Qu'un bad run pouvait durer. Bah après, comme je te dis, c'est probablement moi que j'ai moins bien aussi, tu vois. Donc, c'est une période qui c'est l'amalgame de ce que je fais moi et de la variance qui se rejoignent au même moment. Voilà, donc c'est pas terrible en ce moment. Non, mais les conseils à donner à un jeune grinder qui démarre aujourd'hui, je pense, c'est surtout au niveau du money management, quoi, de la banque. Ça, c'est vraiment le truc dans lequel je pense j'ai excellé toute ma vie, si je peux me permettre de me jeter cette fleur-là. Parce que, beaucoup plus qu'au poker d'ailleurs, parce que c'est encore une fois, ça m'a permis de survivre. Et c'est vrai que l'outil de travail, c'est l'argent, c'est con, mais à dire, mais c'est vrai, quand tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus jouer. Quand tu n'as plus d'outil de travail, tu es mort. Donc, le money management, la bankroll, la gestion de son bankroll, savoir descendre de limites, savoir respecter certains nombres de cap, de buy-in en tournoi, avant de s'aventurer dans une partie, c'est hyper important. Ouais. Et puis, pas faire que ça aussi, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'avoir une petite activité, au moins une passion, la musique, j'en sais rien, le théâtre, mais vraiment avoir un truc qui te sorte, qui permet de sortir la tête. Moi, le yoga et la méditation m'ont beaucoup aidé. J'ai fait ça aussi dans les périodes qui étaient difficiles, parce que je suis assez nerveux au tas. Je suis un peu un hargneux quand je perds, je suis un mauvais perdant. Ouais. Donc, c'est vrai que ça m'a aidé. D'accord. Un peu pouvoir accepter la défaite. Ouais, et tout ça, donc ça peut être un conseil pas mal aussi. Ouais. Voilà, bon, mais après c'est se demander, pas rester tout seul non plus, pas se morfondre tout seul quand on est période ou pas. Ouais, pas faire de grosses pues au casino, évidemment, ouais, ça non, c'est interdit, ouais, absolument. Le casino, les grosses pues en boîte de nuit aussi, j'avais des potes se flinguer le contrôle en boîte de nuit. Ouais. Donc ça c'est con parce que les dépenser 2, 3, 4, 5 000 dans une soirée, c'est sympa quand t'as 200 000 sur ton compte, tu dois laisser que 5 000, ouais, super, ouais. Et puis au bout de 4 fois, 5 fois. Derrière le bad run qui vient. Moi j'ai fait un gros spin dans ma vie, c'était en bourse en 2002. J'ai fait une grosse claque qui m'a coûté très cher. Ce qui m'a obligé à redémarrer de zéro en 2003 en fait. D'accord. J'ai vraiment redémarré à zéro. Zéro. Et puis maintenant il y a du no limit hold'em partout. Quoi, donc, tout le temps. Moi je jouerais si j'avais besoin de bouffer avec le poker. Je pense que j'irais jouer les 2-5. Grinder la 2-5 dans les 10 casinos de Las Vegas. Quoi. Pas toujours au Bellagio, enfin si, tu connais un peu le floor du Bellagio, tu te mets sur des listes, maintenant il y a des applis où tu peux regarder un peu les tables qui se remplissent ou quoi, tu vois, et puis aller grinder les petites limites à Las Vegas, gagner ses $300-$400 par jour, je pense que c'est tout à fait faisable pour un bon grinder. Donc c'est pas une ville très chère à vivre, et puis la voiture, si je dis, ça circule bien, tu laisses ta voiture au valet en arrivant,
Moi j'ai fait ça, j'ai habité 3 ans à Las Vegas, c'était génial. Ouais, du coup il y a des tournois. Est-ce qu'il y a des tournois à 500 tournois. Enfin, c'était 2006-2009, donc il y avait des séries de tournois, genre les WPT qui venaient une fois par an, les World Series, tu vois, t'avais 2-3 fois 15 jours par an. Ouais. Mais sinon c'était cash game. Cash game. Et d'ailleurs, plus pour monter vraiment une bonne bankroll, est-ce que ce serait plus cash game le tournoi? Ça c'est pareil, je pense que c'est en train de changer. On discutait justement pareil avec Sylvain hier soir. Ils sont peut-être en train de re-switcher au tournoi avec Sylvain et Seb Savitch aujourd'hui. C'est peut-être, ça a été le cash game pendant longtemps. Et là aujourd'hui les cash games, notamment online, sont devenus tellement difficiles que je pense que pour monter une bankroll ou pour essayer de monter des gros enfin, tu vois, de prendre un gros shot, une grosse bankroll, c'est plutôt les tournois. Ouais, voilà. Mais après pour vivre, payer son loyer, sa bouffe, c'est quand même, ça restera toujours le cash game. D'accord. C'est pour ça que je pense que si j'avais besoin de ça pour vivre au quotidien, j'irais revivre les Vegas. D'accord. Personne ici qui veut me prendre un KS en heads up pour le prix qu'il veut. Je suis là. Faut qu'il se repasse, David. Il a déjà sauté 4 fois du meilleur. Alors, sauve-toi là. C'est des traders. Ouais, parce qu'en fait, en termes de risque et récompense, quand par exemple un mec il va avoir à payer une mise, etc., ne serait-ce que ça, si au final c'est rentable, si c'est EV plus sur long terme ou pas, un mec, je veux dire, ça lui paraît logique, si le mec il a tirage couleur, si c'est qu'il a une chance sur 3 de le toucher, s'il faut qu'il paye 80% de son tapis pour voir une carte, il sait que c'est pas rentable. C'est ce mec, c'est ce que j'apprends en coaching dès la première heure. Parce que va accepter de passer 10 heures à une table, de prendre des bad beats sur bad beats, d'accepter de run bad. Psychologiquement, faut être très fort, faut pas croire. Ça s'est pas passé comme je voulais après, tu vois. J'allais super facilement vers les gens en soirée. Je rencontrais quand même pas mal de gens, tu vois. Donc au début, c'était magnifique, découverte, voilà, plein d'optimisme et tout. Mais à la fin, quand tu sais que tu vas rentrer dans un mois ou quoi, tu t'engages plus sur des trucs à long terme. Par exemple, j'ai arrêté mon abonnement à la muscu. Bon, je sais, ça se voit pas. Que j'y suis allé. Mais tu sais, genre, m'inscrire à la natation, ça m'intéressait plus étant donné que j'allais partir. Rencontrer des gens, ça m'intéressait plus parce que j'allais partir, tu vois. Donc au final, après, je faisais plus rien finalement, tu vois. Et j'ai remarqué qu'en fait, j'étais un petit peu plus attaché à mes proches que... Enfin, je savais que j'étais attaché à mes proches, heureusement, tu vois. Mais je savais pas qu'au bout de 3-4 mois, il fallait absolument que je rentre, tu vois. Donc, ouais. Donc si je dois me taper 8 heures d'avion pour rentrer... Non, mais tu vois... Ouais, c'est... Yeah.